Il est minuit 30 sur Europe et on accueille Christine au 39-21. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, oui. Christine, et quel âge avez-vous? Je vous appelle de Colmar. Oui. Et j'ai un certain âge. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi? Eh bien, en fait, j'ai voulu partager quelque chose que je vis très mal par rapport à ma maman. Maman m'appelait régulièrement. Oui. Pratiquement même tous les jours. Et donc, j'étais heureuse de l'entendre. Bon, elle s'inquiétait de moi parce que j'ai des soucis de santé. Mais elle aussi, elle a des soucis de santé. Mais moi, je lui parlais très peu de ma santé. J'aimais surtout l'entendre me raconter ses voyages, ses souvenirs. Et surtout, j'étais contente d'entendre maman. Et en fait, un jour, il y a un mois, un peu plus d'un mois, j'ai eu un message de mon frère. Un message, il ne m'a pas appelé rien. En me disant qu'il fallait que j'arrête d'harceler maman. Elle avait eu des soucis de santé. 2-3 fois, elle a été hospitalisée 2-3 jours. Ben, je l'ai su, puisque j'ai été en communication avec elle. Et il m'a dit que j'étais en train de la tuer. Oh là là, le choc, ça m'a... Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était atroce. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, je n'en sais absolument rien. À la limite, c'était n'importe comment, j'étais tellement choquée. J'ai envoyé le texto, comme on s'écrivait des textos avec une jeune femme qui vit chez mon frère, la fille de sa compagne, une des filles de sa compagne. Oui. Et elle a été surprise, mais en fait, après, elle m'a dit, mais papa a raison, enfin bref. Et donc, voilà. Je n'ai pas cherché plus loin. Je suis juste en souffrance parce que maman, du coup, ne m'a pas rappelé. Alors, en fait, j'en ai parlé à des personnes autour de moi qui m'ont dit qu'on avait dû lui enlever le téléphone parce qu'en fait, je ne comprends même pas. Ou alors, est-ce que j'en sais rien? Je ne sais pas du tout. C'est en plus très perturbant. Ça fait combien de temps, Christine? Ça fait plus d'un mois maintenant. Plus d'un mois que je n'ai pas entendu. Oui, plus d'un mois que je n'ai pas entendu maman et que je m'imagine un jour qu'on me dise qu'elle est morte et je ne l'aurais pas réentendue. Vous êtes à quelle distance de votre mère? Ah, je ne suis pas très, très loin, je suis à 40-50 km. Et je ne peux pas y aller, moi je ne peux pas me déplacer, oui. Déjà et d'une, et sinon j'irai. J'ai voulu y aller d'ailleurs avec une aide à domicile, mais en fait, elle n'a pas pu, elle ne pouvait pas. Elle n'avait pas le droit de faire ce chemin. Sinon, j'y serais allée. La semaine dernière, j'avais décidé et je lui avais même dit à maman, la pauvre d'ailleurs, parce que du coup, je ne lui ai même pas expliqué. Là. Je lui avais envoyé un message. Oh, elle ne me répond pas, mais je lui envoie des messages. Je lui envoie encore des messages en lui disant, pas beaucoup, mais je l'en envoie en lui disant, oh maman, ça me manque. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Vous lui avez quand même envoyé des messages et elle ne répond pas. Ah non, pas du tout. Quelle était la nature de vos coups de fil, en fait? Essayez de m'expliquer, de votre point de vue. vous appeliez tous les jours? Elle m'appelait pratiquement tous les jours, oui. Elle vous appelait tous les jours? Oui, c'est elle, c'est pas moi. Justement, en plus, c'est même pas moi qui l'appelais, donc. C'est maman qui m'appelait. Non, mais ça, c'est votre frère qui a manipulé quelque chose, là. Oui, je ne sais pas. On a dû lui enlever... Elle n'a pas de problème de santé, votre maman? Elle n'a pas pu être hospitalisée? Si, elle a des problèmes de santé. D'accord. Elle a des problèmes de santé, justement. C'est par rapport à ça que mon frère a dit c'était à cause de moi. Enfin, je ne sais pas, n'importe comment, je n'ai rien compris. Et honnêtement, là, quand on en parle maintenant, je ne comprends encore rien. Je veux dire, ça m'a... Alors écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. Dans la vie... On peut être gentil, on peut faire attention à l'autre, on peut être sensible, on peut avoir tout un tas de valeurs, mais il ne faut pas se laisser faire. À partir du moment où on sait qu'on n'a pas fait quoi que ce soit de négatif, que dans votre cas, en plus, c'était votre mère qui vous appelait, non vous. Ben oui, et en plus, je suis loin. Et puis vos échanges, c'était quoi? C'était ça va? Comment la journée? Oui, bien sûr, elle me parlait. Déjà, elle s'inquiétait effectivement beaucoup de moi, parce que j'ai des soucis de santé, comme je vous l'ai dit.
Mais moi, je voulais pas systématiquement en parler. Donc, en fait, souvent, je détournais complètement la conversation. Et du coup, elle me racontait ce qu'elle a fait, les voyages. Elle me parlait. C'était super. J'adorais ça. J'adorais ces échanges. C'était génial. Je veux dire, maman et moi, c'était. En plus, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que maman et moi, au départ, au début de ma naissance, moi, j'ai pas été une enfant désirée. Donc, ça n'a pas été évident pendant de très, très longues années. Et en fait, maman et moi, on est vraiment très proches depuis une quinzaine d'années, on va dire, mais plutôt ces dernières années. Et là, c'était vrai, c'était très fort. Pourquoi ça Et n'était pas voilà. évident entre vous avant? Ah, mais parce qu'elle ne m'avait pas désirée, donc ça a créé un vrai problème. Oui, oui. Et du coup, ça s'est ressenti. Je veux dire, D'accord. elle a mis énormément de temps à vraiment. Mais en fait, elle ne m'avait pas désirée, mais quand même, moi, je le savais. Donc, moi, j'ai persisté dans l'amour que j'avais pour elle. Et puis, il s'est trouvé que un jour, on a été complètement ensemble. Et voilà. Et là, c'était génial. Moi, j'aimais beaucoup. Je veux dire, maman, justement, ayant des soucis, j'étais super heureuse de pouvoir lui parler, en sachant bien qu'un jour ou l'autre, je pourrais plus, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et puis, du coup, là, maintenant, ben, je sais plus rien. Et je comprends vraiment pas. En plus, je comprends pas. Aujourd'hui, j'y ai pensé. C'est marrant, vous m'avez appelé. Et aujourd'hui, j'y ai pensé. Ce matin, j'ai pensé à ça et je disais, mais mince, est-ce que c'est maman qui a voulu. Je me suis même demandé si c'était pas elle, j'en sais rien. Je sais pas, parce que maman, elle s'est dégradée, elle s'est beaucoup dégradée. Et moi, personnellement, tout le monde sait que j'adorais maman. Maman est très belle femme, une femme extraordinairement belle et extraordinaire à tout point de vue. Et elle s'était énormément dégradée. Ce qui m'avait d'ailleurs un peu choqué la dernière fois que je l'avais vue, mais je veux dire sans plus. C'est dur, effectivement, de voir quelqu'un, mais bon, c'est ma maman, quoi. Et alors, je sais pas, est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est pour ça? J'en sais rien, moi. C'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis dit ça. Je me suis dit, tiens, peut-être que c'est pour ça, à cause de ça. En attendant. Si on ne se voit pas, au moins qu'on se parle, quoi. Oui, mais vraiment, hein, Christine, je pense que vous êtes victime d'une manipulation totale de votre frère. Il n'y a pas une histoire d'héritage, là, si votre mère Ben, je partait, pense pas. non? Ben non, maman n'a pas. J'ai pas connaissance que maman ait de l'argent. Pas du tout. Je n'ai absolument pas connaissance de ça. Je sais pas. Je n'ai Pourquoi pas connaissance. votre frère, d'un seul coup, se manifeste-t-il comme ça? Ah ben j'en sais rien, surtout qu'en plus on se voit pas avec mon Mais frère. vous aviez quel type de relation avec lui? Buvez un verre d'eau si vous Bon, voulez. mais si, mais oui, là j'en ai pris. Effectivement, peut-être que c'est le fait de parler de ce qu'on parle qui me fait cet enrouement. Vous savez, c'est souvent comme ça. Quand on a des trucs à la gorge, c'est parce qu'on a du mal à dire les choses. Eh bien, en fait, non. Une chose est certaine, c'est que ma famille, on a eu une césure, je sais pas comment vous expliquer. La santé, ça sépare, ça. On est comme des parias, je veux dire. Moi, quand mon mari était aussi malade, hein, quand mon mari s'était aggravé, tout le monde est parti de notre horizon, hein. Déjà à ce moment-là, toute la famille et les amis, hein. Et donc moi, qui suis souffrante, eh ben voilà. C'est comme ça. Mais sinon, sans raison, on s'entendait. Et bien au contraire, mon frère m'appréciait vraiment. Et surtout par rapport à maman, ils disaient toujours tous, mes frères et sœurs, qu'est-ce que tu aimes maman? Qu'est-ce que tu aimes maman? Et qu'est-ce que vous vous aimez? Enfin bref. Alors j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser. J'ai bu, hein, je vous promets. Hein. Vous êtes un peu enroué, non? Non, j'étais pas comme ça, je vous dis, Olivier, c'est le fait que je parle de ce que je parle là. Ça fait une réaction dans Ah ma gorge. oui, émotion, peut-être Oui, aussi. l'émotion.
l'émotion. Parce que là, je vous parle, beaucoup de gens vont l'entendre. Qui sait? J'espère que non, mais j'espère que personne de ma famille, ça j'ai tilté maintenant, n'entend ce que je dis, quoi. Mais bon, ça fait rien. Je veux dire, parce que moi, je vous remercie d'ailleurs parce que j'avais envie de vous le partager. Vous êtes quelqu'un que j'apprécie, que j'écoute régulièrement. Et j'avais envie de vous partager ça parce que c'est tellement particulier, je veux dire, c'est, vous comprenez ce que je veux dire. C'est particulier, je veux dire. Oui, mais c'est très étonnant surtout. C'est, ben oui, surtout sans raison. À partir du moment où votre mère vous appelait tous les jours, il n'y a aucune raison. Si vous m'aviez dit, bon, j'ai appelé ma mère tous les jours, je me suis dit, non, bon, c'est pas moi, ça justement. Se trouve, à un moment, la mère, elle en avait marre d'être saoulée tous les jours, on n'a pas besoin de s'appeler tous les jours, peut-être. Enfin, ouais, c'est ça. Alors que c'est maman qui m'appelait. D'accord. Donc, ouais. Il y a, vous voyez, dans la logique des choses, si vous êtes logique, si vous laissez de côté tout. L'émotionnel autour de tout ça, eh bien, vous ne pouvez pas douter une seule seconde que c'est votre frère qui manipule tout ça et qui, pour une raison visiblement très mystérieuse... Ben oui, je ne vois pas la raison. A peut-être jalousé cette relation que vous aviez avec votre mère. Vous savez, parfois, on est étonné, on peut être très étonné de la réflexion de certaines personnes qui ne raisonnent pas comme nous, qui raisonnent anormalement. Vous voyez, parce que d'un seul coup, elles se sentent lésées dans une relation. Il y a de la jalousie. Hein, il y a... Oui, mais c'est fou. Maman, elle c'est vit. Fou, elle c'est vit. Fou. Bien sûr que c'est fou. Mais oui, c'est fou. Et surtout que maman, elle vit. Bon, elle vit au-dessus de. Elle vit dans un petit appartement qu'il avait fait pour son fils au-dessus de leur appartement. Mais elle vit avec eux, elle mange avec eux, je veux dire. Donc, je sais pas, il en profite bien de maman. Bah oui, alors donc du coup, il y a quand même, pardonnez-moi, hein, vous me dites qu'il n'y a pas un petit héritage, mais enfin, il y a quand même une maison avec lui qui vit dans la maison, et puis avec maman dans le petit appartement. Mais tout ça, ça a un prix, ma chère. Oui, mais ça, c'est à mon frère. Ah, c'est à votre frère, c'est pas à maman. Oui, c'est à mon frère, c'est pas à maman. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est à mon frère. Alors, j'enlève ce que j'ai dit. Mais parce que pour un héritage, je pense pas. Enfin, personnellement, j'ai jamais vu que maman avait de l'argent. Enfin, si elle en a, je suis pas au courant, quoi. Oui, puis ça, vous ne semblez pas du tout intéressé, donc c'est ça, ben non. C'est ça qui est important. Enfin bref, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi. Une chose est sûre, c'est que dans l'histoire, eh ben là, maintenant, je n'entends plus maman. Et je vous assure que je suis terriblement perturbée. Ben oui, ma pauvre. Ben oui, parce que j'avais élevé à mourir. J'ai élevé à mourir. Bon, il faut... vous n'avez pas de... Il n'y a pas d'amis là-bas. Qui vous a dit qu'on lui avait sans doute enlevé son téléphone là-bas? Est-ce qu'il y a... Ben, c'est des personnes qui sont autour de moi. D'accord. Pas, vous ne connaissez personne là-bas qui peut intervenir pour vous, qui peut aller voir votre mère? Ben non. J'en ai parlé à une de mes filles. Oui. Qui est, et elle m'a dit que c'était, qu'elle n'avait pas à s'occuper de ça. C'était un problème entre moi et mon frère. Ah, dites donc, elle est sympa, elle est sympa, votre fille. Ah oui, ah non, mais j'étais vraiment choquée dans le sens qu'elle, elle est près de sa grand-mère, quoi. Je comprends pas, je comprends encore moins. Mais est-ce elle qu'elle est proche ça. De vous, cette fille? Ah ben là, ces derniers temps, non. Ah oui, parce que... Ouais, dingue, non ça. Mais, qu'est-ce que je veux dire, c'était déjà, il y a donc, il y a un mois et demi, qu'elle m'a dit ça, donc, quand je lui ai dit. Et effectivement, elle est... C'est marrant ce que vous dites, c'est ce que vous êtes proche. J'ai essayé de comprendre pourquoi justement il y avait une sorte de elle est moins proche de moi en ce moment et je comprends pas. Je lui ai demandé justement. Voilà. Et vous me posez cette question, je trouve ça drôle. Bah non, mais c'est normal que je vous la pose. Oui. Non, mais en ce moment, non, je suis absolument pas proche de ma Coralie. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et je ne le saurais pas parce que je lui ai demandé et j'ai pas eu vraiment de réponse en fait.
Voilà. Et je ne chercherai pas à avoir de réponse, en fait. Ah, tout ça fait trop mal, donc autant. J'ai une autre de mes filles là, qui va venir me voir dans pas longtemps, donc je vais me consoler comme ça. Et votre autre fille? Oui. Votre autre fille, elle en est où, elle, avec sa grand-mère? Ah ben ça, elle est souvent occupée, donc on en parlera quand elle viendra. Voilà, parce On ne se parle pas beaucoup. il faut Ouais. impérativement que l'une de vos filles aille voir votre mère. Il faut que vous sachiez ce qui se passe, parce que si votre fille remarque que votre mère n'a plus accès à son téléphone, vous voyez qu'elle est perturbée. Je suis désolé, hein, Christine, mais il va falloir que vous signaliez ça. En tout cas, il va falloir que vous preniez un avocat ou que vous déposiez une plainte contre votre frère. Ah bon? Si il empêche votre mère de communiquer avec vous, je ne sais pas comment on qualifierait ça au niveau du droit, mais c'est. En tout cas, c'est vrai que c'est aberrant, franchement. Je ne sais plus, je cherche, hein, le terme, mais c'est, vous voyez, manipuler une personne en situation de handicap et donc en situation de faiblesse. Vous voyez? Ah ben ça, c'est clair, hein. Parce Parce que que s'il la prive de ça, il n'a pas le droit de faire ça. ah ben n'importe comment, oui. Mais c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être maman, mais je sais pas, je saurais même pas pourquoi. Parce que c'est elle qui m'a appelé. Oui, j'ai bien compris. C'est ça le truc, en fait. Vous J'ai voyez, bien compris. c'était moi. J'ai bien compris. Je... Donc, Ouais. y a quelque chose, de toute façon, il y a quelque chose de cet ordre dans ce que vous vivez aujourd'hui. Et faut vraiment qu'il y ait une de vos filles qui vous aide, parce que si j'ai bien compris, vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous êtes en situation. Oui, c'est Ouais. ça. Le souci, c'est que moi, j'ai des soucis de santé Oui. et que je ne peux pas, effectivement, me déplacer, ne serait-ce que déjà, je ne pourrais pas conduire de véhicule. Vous voyez, je ne pourrais pas. Il faudrait que quelqu'un m'emmène. Je ne suis pas en mesure, donc, de me déplacer. Elle est Et où, elle? Vous êtes à Colmar et elle est où? elle est à Sainte-Croix-aux-Mines. Je ne vois pas où c'est. C'est à peu près 40-50 km. De Colmar. C'est le Colmar, oui. C'est pas loin. Enfin, c'est pas très loin. Mais la personne à qui j'avais demandé l'aide à domicile, eh ben, malheureusement, elle n'a pas eu le droit. De vous Ils n'ont emmener. pas Ah non. permis donc de Mais me non, faire. elle n'est Enfin, pas assurée pour ça. voilà. C'est particulier, là. En Ouais. plus, elle peut être exposée à une situation qui n'est pas, vous voyez, dans le cadre de son travail. Donc, ça ne m'étonne pas que sa hiérarchie lui ait refusé ça. Vous voyez? On ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas. On ne sait jamais. Vous voyez? Oui, mais ce n'était pas pour faire quoi que ce soit, c'était juste Non. pour m'accompagner la Juste voir, vous pas accompagner, accompagner ouais. voir maman. Ouais. C'était juste pour ça. Mais bon, du coup, ça va plus se faire. Et moi, là, pour l'instant, je vois pas de, j'ai pas vraiment de solution, à part de temps en temps, donc je le fais pas tous les jours, hein, parce que je me dis que, puisqu'ils m'ont dit de. Alors, j'arrive même pas à envoyer des textos, vous voyez? Ils m'ont perturbé, quoi, avec cette Ouais, histoire-là. je me doute. Mais c'est vrai. Je veux dire, je sais pertinemment que j'ai rien fait, vraiment, que c'est pas justifié. Mais malgré tout, on m'a dit ce qu'on m'a dit, quoi. Hein. On me l'a dit, hein, donc, je veux dire, hein, tu étais en train de tuer maman, je veux dire, oh là là, c'est. Il faut l'entendre, ça, hein, je vous promets. Enfin, faut l'entendre. J'ai même pas entendu, je l'ai lu. J'aurais préféré qu'il m'appelle, hein, parce que c'est trop malin de d'écrire ça en texto, quoi. En plus, Enfin, il bah. ne vous a même pas parlé directement, donc c'est pas un Ah courageux. non, 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 il a envoyé un texto. C'est ça qui, en plus, qui m'a terriblement perturbé, en plus. Donc il vous a Un dit, texto. n'appelle plus maman, tu l'as. Tu es en train de la tuer. Oh là là. Tu es en train de la tuer. Avec tes appels incessants et tout ce qui s'ensuit. Tu es en train de la tuer. Oh, le choc, je vous Ouais, promets, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Ah non, Bon, j'en écoute. suis pas encore. Enfin, j'essaye de pas y penser, hein, honnêtement, franchement, parce que c'est pas la peine. Mais je veux dire, là, comme on en parle, je sens en moi que c'est quelque chose qui m'a vraiment terriblement affecté, quoi.
En plus, c'est pas moi qui l'appelais. Alors ça, j'insiste là-dessus. C'est maman qui m'appelait. Parce que moi, justement, je voulais pas appeler maman et la déranger dans son sommeil ou dans n'importe quoi. Moi, je suis très respectueuse. Parce qu'elle et c'est elle maman. elle a une ligne directe, votre mère, ou vous êtes obligé de passer par chez le frère? Ah non, 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 elle avait une ligne directe. Elle avait son téléphone à elle. Et donc, elle m'appelait de son téléphone, de son portable. Et vous n'avez pas osé vous rappeler votre mère? Ah ben, Vous j'ai avez pas rappelé, essayé? mais j'ai envoyé des textos. Mais J'ai pas appelé. est-ce qu'elle sait faire marcher les textos, votre maman? Ah ben, grâce à moi, oui. Grâce D'accord. à moi, oui. D'accord. Elle était ravie. Et oui, elle était contente, parce que justement, grâce à moi, elle a appris. Elle était contente. Elle ne savait pas avant, mais moi, à force de lui en envoyer, après, elle a essayé et elle a compris. C'est ce qu'elle m'avait dit. Donc, ouais, je pense. Enfin, je sais pas. Je sais plus quoi penser de cette histoire. Ouais. Je sais plus quoi penser, Olivier. Je sais plus. Une chose est certaine, c'est que je n'entends plus maman. Et que je redoute qu'une chose, c'est qu'elle parte et que je ne l'entende plus du tout, du coup. Mais non, mais vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Il va vous falloir... Quand votre fille vient-elle vous voir? Là, elle va pas tarder, dans quelques jours. Mais bon, elle n'est pas comme Coralie, pas aussi près de sa grand-mère. Mais on va voir, je vais voir avec elle, effectivement. Peut-être qu'on va trouver ensemble une solution. Je sais pas. Je sais pas, j'espère. J'en sais rien. Enfin, je vais lui en parler, hein, ça c'est clair. Mais j'avoue que je ne saurais pas. Je sais pas. Bah, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir y aller. Là, personnellement, j'étais très, très triste que l'aide à domicile. Parce que j'ai hésité. Et après, j'étais vraiment décidée à y aller, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, on va pas m'empêcher de... On va pas me mettre à la porte, quoi. Mmh. Ouais. Et en plus, il y avait tous les cadeaux à lui donner, là. J'avais plein de cadeaux à lui donner. Non, mais ce qui est important maintenant, c'est que vous puissiez... Allez voir votre voir. Mère, voilà, c'est, oui. Il faut que vous ayez le cœur net de cette situation, et il n'y a pas 36 solutions, c'est soit vous voyez votre fille dans combien de temps, vous m'avez dit que vous la voyez, votre fille ? Là, dans quelques jours, elle vient, j'arrive plus à me rappeler, mais c'est dans quelques jours là qu'elle vient, Alexandra. Oui, c'est vrai que même à la limite, si je la voyais pas, au moins que je l'entende, que j'entende sa voix, quoi, qu'elle m'appelle comme je vois pas. Non, mais là, vous n'avez que deux solutions. La première, c'est votre fille qui vient et voir si elle peut vous emmener, et vous prenez votre courage à deux mains et puis vous y allez. Ou vous appelez votre mère, vous appelez, parce que c'est... Même elle, vous vous rendez compte, le traumatisme pour votre mère, d'un seul coup ? Ah, mais c'est clair ! Qu'est-ce qu'on lui a non, raconté à votre mère ? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne vous appelle plus ? Est-ce qu'on lui a raconté des bêtises ? Est-ce qu'on lui a supprimé son téléphone ? Est-ce qu'elle est hospitalisée et qu'elle n'a pas le téléphone dans sa chambre d'hôpital ? Est-ce que, vous voyez, on se pose plein de questions. Exactement. Et ça doit vous rendre folle, ça. Ça doit vous rendre folle, l'inquiétude. Mais oui, exactement. Exactement, vous avez raison. Ah oui. Exactement. Je veux dire... Mais bon, à la limite, je vous rendez compte, je me suis même dit... que peut-être que maman, en fait, elle ne voulait plus me parler. Mais je n'arriverai pas à comprendre pourquoi, puisque c'est elle qui m'appelait. Oh, je ne sais plus. Je suis perturbée par tout ça, moi. Écoutez, faites, comme je vous ai dit, votre oui. fille... Oui. Ou... Coup de téléphone, mais il va falloir de toute façon dénouer cette histoire, d'accord ? D'accord, je vais vous promettre une chose. Ouais. Allez-y. Pardon. Je vais vous promettre une chose, je ne vais même pas attendre ma fille, je vais appeler demain. Eh bien, appelez demain et n'hésitez pas à nous tenir au courant, d'accord ? D'accord.
Ouais, on vous embrasse. On vous embrasse. Eh bien, je vous remercie et courage à vous. Courage. Merci infiniment, vraiment. Et vous merci nous tenez beaucoup. Au courant, hein, surtout. Okay. Oui, je vous tiens au courant. Au merci beaucoup, merci. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Merci beaucoup.